Lorsque je suis arrivée, on faisait des visites de tous les secteurs. Et à un endroit, il y avait des posters de femmes, on va dire, dénudées auprès de scooters. Et pour moi, c'est une forme, bien sûr, marquée de sexisme, qui n'est pas vécue comme cela forcément dans l'industrie, mais qui ne peut pas être tolérée. Je suis un collègue, je repère une collègue qui subit du harcèlement. Vers qui je me tourne? Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je suis protégée? Quel risque je prends? On fixe les lignes blanches et on dit surtout comment on agit, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les portes à ouvrir et comment les gens sont sécurisés dans leurs actions et dans leurs alertes. Quand on a commencé à travailler sur cette démarche d'égalité, naturellement des petits débats se sont institués et c'est vrai que le fait de parler et de pouvoir s'autoriser à des conversations comme ça, c'est déjà quelque chose qui est énorme dans l'égalité.